Viens là, viens là, mes frères, là. On parle. Le joueur le plus gaze, aujourd'hui. Elle a mis le Tim Burns. Ladies and gentlemen, let's welcome to the national teams of Niger and Ghana. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir les équipes nationales du Niger et du Ghana. Ladies and gentlemen, let's listen to the national anthem of Ghana. Mesdames et messieurs, nous allons écouter l'hymne national du Ghana.
tête de Nathaniel. Et le retour qu'il faut apprécier de ce garçon. Bocano qui est venu gêner l'attaquant ghanéen. Alors, déjà 5 minutes de jeu, on n'a pas l'impression, en tout cas, que ces deux équipes veulent la victoire. Et c'est un rôle d'observation peut-être, mais là, il faut mettre un pied sur l'accélérateur. Quand on a vu quand même la rencontre Togo-Burkina Faso, c'est une rencontre de belle qualité. Et là, donc, peut-être ça va s'animer. Les prochaines minutes. Oui, vous avez parlé de l'encontre qui a opposé le Nigeria face au Burkina Faso. Effectivement. On a vu, hein, franchement, de belles équipes. Hein, et le Nigeria qui a franchement joué un très bon jeu, du bon football. Mais le Dieu du stade, comme on le dit, était du côté des étalonnés, comme on les appelle. Mais les étalons et cadets ont beaucoup plus de détermination. Justement, c'est ce qui nous a affirmé d'ailleurs. Le sélectionneur Sanou Doga du Burkina Faso, voilà, c'est parti pour le Niger. Ballon mal négocié par Mamana, récupéré par le Ghana, par l'entremise de Appia. Appia qui est député du cuir. Là, l'arbitre revient sur cette faute commise sur le poussard numéro 20 à la personne de Abdoulaye, qui laisse le soin à Massoudi. Non, Massoudi également laisse le soin à son capitaine, Jurila, qui essaie de mettre le ballon dans le paquet. Voilà, Ali. Je crois que la solution pour le Niger serait d'exploiter les coups de pied arrêtés au maximum, parce que cette équipe ghanéenne, dans la maîtrise du cuir, dans la circulation de balles, est sûre de sa force et cherche des solutions de tous les côtés. Mais je crois que le Niger, bien sûr, il faut rappeler cette équipe qui n'a pas eu un bon temps de préparation et peut exploiter les coups de pied arrêtés au maximum. Attention, pour éviter le retrait, touche. Voilà, Samuel. Voilà. Qui obtient un coup franc, j'allais dire bien placé, hein, et qui sera certainement exécuté, hein, par Appia. Ça va, ça nous rappelle les grandes figures ghanéennes, Appia. Ah oui, les siens, pas mal de Ayou. Les siens Raymond dans le temps. Mabouakeng également qui fait partie. Voilà, les siens Raymond dans le temps, les Anthony Bafo, les Anthony Yeboah, les Abedi Pelé. C'est vraiment une histoire, hein, parce qu'il faut dire que les Nigériens. C'était une belle épopée. Les Nigériens supportaient plus le Ghana que les autres. Justement, parce que là, on partage partiellement plusieurs réalités. On va suivre ce coup franc donc de Appia. Attention, ça peut être dangereux. On ne voit pas l'utilité du mur. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché direct. Ah, c'est bien parce que là, on a senti franchement que c'est travaillé, parce que nous on avait l'impression que c'était Appia qui allait jouer le ballon. Mais là, il laisse le soin à son coéquipier qui lui n'a pas eu cette justesse de bien cadrer. Dans l'application, c'était bien, mais dans la finition, c'était autre chose à Sylvie. Ah oui. Ouais, le problème de l'équipe nigérienne, c'est au niveau de relance et de la défense. Normalement, pour que l'équipe ne puisse pas souffrir, Pascal, il faut que les défenseurs gardent leur sang-froid pour faire circuler la balle, pour faire la relation défense-militaire-attaquant. Mais là, les jeunes ont du mal à réaliser. Chaque fois, ils donnent la balle aux Ghanaiens. Pourtant, quand vous voyez l'équipe ghanéenne. On la frappe! Et là! La barre, et très belle inspiration de ce garçon qui était bien dans l'application. Et là, c'est un poule qui a essayé. Et c'est bien parti pour ce gars-là. Cette équipe ghanéenne qui a se fait respecter. Hein, ah dans oui. Cette surprise frappe exécutée par ce garçon qui avait voulu prendre le dessus. Mais lui qui était la barre transversale qui a sauvé le Niger, on allait assister à l'ouverture du score. Eh bien, effectivement, c'est une tradition chez les Ghanéens désormais. Et les frappes de loin, on se rappelle quand même de Charles, d'un certain Charles Aponor, qui malgré
Et ça fait qu'il taille à une frappe de nul. C'est une tradition chez les Ghanais. Vous voyez, et la frappe de Frimpong a surpris le gardien et Abbas, qui ne s'attendait pas quand même à une frappe si lointaine. Et donc la balle a ricoché la transversale pour sortir. Heureusement pour le Niger, c'est la première grosse frayeur de ce match. On joue la 10e minute. Et donc c'est Frimpong qui a voulu allumer la mèche. Et voilà, il a voulu allumer la mèche. Vous avez parlé de scénario. De dispositif, c'est-à-dire mettre qui a été mis en place par le sélectionneur Fidel Afrika. Vous avez parlé des ballons et qu'il la défense a du mal à combiner, c'est-à-dire avec le milieu et l'attaque. Mais là, et quelque part, est-ce que ce n'est pas une stratégie mise en place par le sélectionneur Assimi? Oui, bon, c'est ça, je disais, peut-être, attention à ces pertes de balles, vous voyez, n'arrive pas, ce n'est pas une, au-delà de la stratégie, je crois que c'est la culture du football nigérien, il faut que les jeunes arrivent à... La passe en profondeur pour qui pour Ali, la passe de trop, et là, le portier, Koudou, se pose pas de questions, qui joue rapidement avec Mohamed. Vous voyez, la défense ghanéenne ne jette pas la balle. Vous voyez, ils vont chercher des solutions. Voilà, et maintenant on cherche la profondeur. Et c'est comme ça doit se passer. Les Nigériens doivent calmer le jeu. Il ne faut pas rapidement donner le ballon à l'adversaire. Et là, vous avez vu quand même, on essaie de combiner dans la moitié du temps. Et voilà, mais quand il y a des attentes de l'ouverture ou bien l'appel des attaquants pour lancer la balle. Mais chaque fois quand nous essayons de voir la défense nigérienne traverse le milieu de terrain et ça arrive là-bas. C'est ce qu'on appelle un jeu direct. Hein. Je pense que ce n'est pas la meilleure option. En tout cas, après ce match. Frédéric Acosta verra sa copie. Mais il faut dire aussi qu'on ne peut pas jouer d'égal à égal avec les Ghanais. Mais écoute, c'est un match de football. Hein. Voilà qui est raté de ce défenseur. Et voilà, c'est le poussin numéro 11 de Soumana. Le centre parfait, non, la défense arrive à se dégager quand même. Massoudi qui fait sortir le ballon. Ah oui, il n'a pas pris de risque. Là, ça nous rappelle du club du Ghana. Là, on repart par la base arrière. Là, on s'informe les gars. Ça, il prend les... Regarde ce qui est intéressant dans cette équipe du Ghana. Il prend l'information avant de jouer avec leur coéquipier. La longue balle maintenant. Et la tête de Volcano. Qui trouve Mamadou qui essaie de combiner avec Soumana. Oh, ça passe pas. Incompréhension entre ces deux garçons. Il faut rappeler que Soumana joue à Ogana dans un centre de formation dénommé Wafa. Un centre de formation dans lequel a évolué notre milieu de terrain. Et Mohamed Bonkoy. Qui lui au contre a joué au Kayana. Voilà, ouais, l'appellation c'était Wafa, mais maintenant c'est Finor. Ça se dégage bien, il faut le dire. Et les Ghanais qui reviennent. Voilà, il faut profiter des contres. Là par exemple. Voilà, là c'est bien joué là, celui-là. Voilà. Certainement ils vous ont entendu. Hein. Maman, il s'est passé par le mieux. Bien, là, c'est bien, super. Par l'entremise. Après, aller vite, voilà. C'est pas terminé. Abdoulaye qui revient sur ses appuis. Voilà. C'est bien joué par les garçons qui obtiennent une fois sur cette action. Bien mené. Abdoulaye qui est revenu sur ses appuis. On voit la passe ici. Voilà le contrôle. C'est ça que je disais. Si les jeunes Nigériens arrivent à garder la balle, à se créer des. Oser, à prendre des initiatives et éviter de dégager. Ça peut être des situations intéressantes. C'est bon. Et voilà, un coup franc bien placé, hein, Simon, parce que là, on aperçoit Volcano qui laisse son poste de prédilection. Certainement, c'est le meilleur joueur ici, hein. Bon, c'est mal négocié par Volcano et du coup ça serait les 6 mètres comme on le dit. Hein.
Voilà le Ghana qui va essayer de repartir. Appia, la longue balle. Et c'est par Mohamed. Il obtient une entrée de touche. Il faut souligner que cette équipe ghanéenne n'est pas la foudre de guerre que les gens attendaient. Et justement. Peut-être c'est en tout cas un système de jeu peut-être trompé. Et voilà la préparation voilà. Assumie. Contre le Nigeria. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lent. Oh la passe. Qu'est-ce que Mohamed a? C'est très lent. Mais Mohamed, il y a quelque chose qui lui manque ce garçon. On sent qu'il a cette hargne, qu'il a cette capacité de faire mieux. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Vous êtes d'accord avec moi, Asmi? Vous êtes d'accord? Parce que là, il avait la possibilité, il avait contrôlé très bien le ballon, la conduite, la tête basse, parce que ça, il faut, on les apprend dans les écoles de foot, là, je pense. Oui, même à cet âge-là, il y a beaucoup de manquements au niveau des jeunes. Il y a beaucoup de maladresses. C'est avec le fruit de la compétition que les jeunes arrivent à corriger les maladresses. Sauf que Mohamed a été lent dans la transmission. Du coup, les Ghanais sont revenus. Il n'y a pas de jeu, les gars. Jouez. Voilà, sortie de balle. Pour le Niger. Je dis, cette équipe du Ghana, peut-être c'est un faux rythme. Mais jusqu'à présent, ce que nous voyons, en tout cas, ne nous permet pas de dire que l'équipe du Ghana est une foudre de guerre. Et jusqu'à présent, je suis d'accord le avec Niger joue à jeu égal avec cette équipe du Ghana. Voilà la tête de la défense ghanéenne. Voilà. Soumana qui essaie de remettre le ballon et le Ghana qui va se dégager très loin par Ozer. Ozer Alassane. Soumana. Ouais. Mohamed qui laisse le soin. La belle passe ici. Oui. Oh, Joël Simon, le premier assistant. Oh, quel appel. C'était bien. Et dans oui, l'idée. Et là, je suis d'accord avec le premier assistant Assimi. Qui a très bien vu, qui a très bien lu l'appel de une position d'enjeu. Ali, qui était en position d'enjeu. La réalisation, voilà. Qui... Voilà. Ali est en enjeu. Il était parti avant le ballon. Oui, effectivement. Oh oui, là, il est mieux le gardien. Et sinon, c'est de bon augure. Voilà, le gardien qui va essayer de repartir par l'entremise de son capitaine qui s'est écarté sur le flanc droit. Mohamed, la belle qui s'est trouvée, ah, le bon tacle, prompt du capitaine nigérien, Jibrila, qui juste là, assure, les siens assurés. Oui, Jibrila Mossi, la tour de contrôle du Mena Kadé. L'attention frappe lointaine hein, des Ghanais, hein, parce que s'il n'arrive pas à composer, il tente de loin. Voilà, ça va partir avec Soumana. Bien joué Soumana. Voilà, merci la réalisation. Merci Sidibé. À vous les techniciens. Sidibé qui va essayer de repartir. Voilà, lui il peut aller vite. Voilà, bien joué. Il y a des situations, le jeu direct. Oh la paire de balles. C'était mal fait ici. La Nigeria qui bénéficie quand même. Une entrée de touche qui sera effectuée par Maman qui juge pour le match hein, cet après-midi oui, hein, dans cette compétition. Ah, oui. Mais juste là quand même qui s'exprime bien. Voilà Boulay qui essaie de mettre le ballon dans le paquet. Sidibé, le contrôle pour faire la frappe, il a c'est contré. Allez les gars qui obtient encore l'air. De la gauche vers la droite sur nos écrans. Ok, Jibril voilà qui va monter. Ah, il est bon de la tête à monsieur garçon. Espérons que sur ce coup de pied arrêté, il fera profiter toute une nation. Jibril Mossi qui était également à la Cannes 2017 en 2017. Il était également au mondial. Un jeune très prometteur de l'AS Douane du Niger. Pur produit de la formation du coach Brema. Ah, c'est Valois Assimi, vous connaissez très bien ces pupitres, ces garçons. Vous avez l'amour de les côtoyer à tout moment. Et la belle passe ici. Très bien joué par. Attention. On peut voir le portier. Non.
pas terminé. Il faut empêcher les centres. Voilà les Ghanéens qui essayent de se faufiler dans les trous. Et Bakalo qui se dégage, très loin. Et la défense nigérienne qui va respirer. La mauvaise appréciation. Et Mohamed Kliss qui essaie de se battre. Voilà, il a recul le ballon. Il n'y a rien ici de l'arbitre. Certainement. Il faut qu'il les siens. Il a tenté le lob. Le lob, c'était pas le moment parce que là, il avait au moins son trois solutions. Oui. Il y avait le démarquage de Sidibé, oui, qui avait demandé le ballon. Et là, derrière, il y a également Maman, qui est venu donner un coup de main. Mais il a préféré tenter son geste. Et on voit Ozer, le capitaine ghanéen, déjà un leader. Jeune homme. Ah, il y a un joueur ghanéen qui se tord de douleur. Voilà, il reçoit les soins de son staff médical. La Frédéric et le sélectionneur ghanéen qui profite pour recadrer les choses. Une minute dans cette rencontre à semi. Et c'est toujours zéro but de part et d'autre. Le Niger qui veut vite finir avec cette équipe ghanéenne. Et le Ghana, on a toujours connu, c'est un pays de football. Un pays qui regorge pas mal de pupitres. Oh, le beau geste ici du défenseur Sameda qui joue rapidement avec Boateng. Boateng qui est face à Maman qui reçut son match, je le disais. Maman qui joue rapidement avec Mohamed. Mohamed Sylvain qui est déposé du cul facilement. Attention, les frappes, il faut éviter. Abbas est là. C'est pas terrible la frappe, mais quand même, Abbas est sur la trajectoire. Justement, c'était bien quand même. La récupération était ghanéenne. On écarte sur Frepo qui allume cette mèche qui n'a pas été le portier nigérien. Ah, Maman qui joue avec Sidibé. Sidibé, hein, qui essaie d'être leader cet après-midi, hein, Sidibé. Ouais, le Nigérien essaie de construire. C'est pas facile, mais bon, il faut essayer. Voilà. La perte de balle facile, certainement ça s'est imposé. Super, c'était trop, qu'est-ce qu'il a fait ce garçon? Il a trop poussé la balle, attention contre Ghana. Matenga, il s'est combiné avec Adiepong. Adiepong toujours, qui se propose. Matenga, ah, la belle couverture ici. Ah oui. Qui essaie de prolonger le ballon. Intelligent de la part de Zimo aussi. Il est toujours en couverture de ses arrières défenseurs. Et Moussi qui est également qui a la tour de contrôle du MENA, U17. Le MENA Kadi. Carrément, on se regarde, il faut connaître, hein, chers amis téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre en cours. Retournez tout simplement que c'est la deuxième journée de cette compétition pour le Niger. Et le Ghana qui fait sa première sortie dans cette compétition face à l'équipe cadette du Niger. Zéro but de part et d'autre. Et nous jouons la 23e minute de jeu. C'est parti pour ce corner. Adiepong. Laisse sortir le ballon. Et on sent, Pascal, on sent l'inexpérience de ces jeunes Nigériens. Ils ont eu beaucoup d'occasions de contre, ils pouvaient faire mal, mais l'expérience manque. Mais ils sont quand même agressifs, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Voilà. Mais il ne faut pas aussi oublier, il faut canaliser l'énergie. C'est vrai, c'est des jeunes. Ils en ont à revendre de l'énergie, mais quand même c'est 90 minutes c'est long et c'est aux encadreurs de recadrer en tout cas ce niveau parce qu'il ne faut pas qu'on soit complètement cuit avant la 70e minute. Ça s'est vu au cours du match contre le Togo. Il y a eu beaucoup d'énervement, ça a conduit à l'expulsion d'un joueur nigérien. Voilà, Ali, non, pourquoi pas la frappe? Mauvais choix. Ces garçons, ils ont cette faculté de récupérer le ballon dans la surface de réparation. Mais dans le dernier choix, ils pêchent. Mais c'est ça le problème en fait de cette équipe cadette du Niger. C'était le même scénario
face au Togo. Et ce après-midi, ça se dessine. Là, ça revient au technicien Frédéric Acosta de recadrer très rapidement ces garçons. Parce que là, ça ne pardonne pas. Ça ne va pas pardonner. Si les Ghanéens ont eu à voir ces genres d'occasions dans la souffrance réparation nigérienne, j'espère que celui-ci est d'accord avec moi. Et les téléspectateurs également seront d'accord avec moi. En tout cas, il faut marquer les occasions. Mais l'un dans l'autre, jusqu'à présent, je n'ai vu qu'une seule véritable occasion de but. C'était la frappe de Frimpong à la 10e minute. Justement, parce que là... La frappe qui a ricoché, qui a flotté avec la barre transversale avant de sortir. Et je pense qu'on joue à jeu égal avec les Ghanéens. D'ailleurs, les Nigériens sont plus déterminés. Parce que là, les nombreuses occasions sont du côté du Niger. Parce qu'on a cette le Niger, j'allais dire, a cette facilité de se retrouver facilement dans le camp adverse. Mais c'est des opportunités, mais pas des véritables occasions. Justement. Et c'est le manque d'espérance. Ça, je fais allusion parce que quand tu arrives à avoir des opportunités dans un match de football, il faut les concrétiser, il faut aller au bout. Voilà, on essaie de combiner. Voilà. Normal. C'est le système Frédéric Acosta, c'est-à-dire on fait des longues balles dans le camp adverse et on accule, c'est-à-dire tout le monde fait la pression pour pousser l'adversaire à commettre des erreurs. Ça a réussi parce que les Ghanéens commettent énormément d'erreurs dans leur moitié de camp. Voilà, et les Nigériens récupèrent. Là, c'est lui qui perd le ballon et il le récupère quand même. C'est bien ce garçon ce qu'il fait, lâche le cuir maintenant. Il en a fait de trop, voilà, il le perd. Et là, il commet cette petite faute là. Hein, assez intelligent quand même ce garçon qui va échapper à ce carton jaune. Hein. Et du coup, le Niger concède un coup franc dans sa moitié du terrain qui sera joué. On essaie d'écarter sur Samed qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et là, ça serait une entrée de touche pour le Niger. Voilà, on voit l'action. Et Sidibé qui en fait de trop et qui perd le ballon. C'est Ousmane. Ah, Soumana. Sidibé qui joue dans la réserve pro de l'hôtel sportif de Sousse de Tunisie. Il a été à la Cannes U17 avant d'aller faire son test sport-études en Tunisie. Le test qu'il a magnifiquement réussi et il a signé dans la réserve pro. Et donc c'est un jeune espoir du football nigérien en formation en Tunisie qui devient faire prêter main forte à ses confrères. Voilà, quelle belle lecture de Bocano. Voilà, qui essaie de jouer avec Soumana. Le pied gauche magique du côté du Niger. Mauvaise appréciation. Voilà, Mohamed qui récupère le ballon. Oh, l'arbitre libérien estime que il y a une faute concédée par le jeune attaquant nigérien. Mohamed, qui lors de la première sortie du Niger avait eu pas mal d'occasions. Dans le centre. Attention là, il faut encore. Et Abbas, heureusement. Oh, Abbas, un peu attentiste. Attention, ça fait deux. Heureusement pour le Niger. On voit l'action. 28e minute, deuxième action dangereuse, toujours au profit des Ghanéens. La barre transversale là. Abbas a été attentiste. Oh là là, c'était vraiment une erreur de gamin. Et je pense qu'il aura l'occasion de se ressaisir. Il doit se ressaisir ce garçon à basse. Il a mal jugé. Eh oui, c'est le mot. Il a mal jugé la trajectoire de l'autre. Massoudi qui se dégage. La Samed pour la remise en touche. Frépon. Apia. Qui s'est combiné avec Cheibou. Ça permet du côté du Ghana, on voit Cheibou tantôt sur le flanc gauche, tantôt sur le flanc droit. Voilà, la mauvaise passe, et ça fait profiter le Niger. Voilà, le bon appel ici de Mohamed. Il n'y a personne de l'autre côté. Non, qu'est-ce qu'il a fait ce garçon pendant le coup. Il y a le management de l'autre côté. Qui était là, qui attendait le ballon. C'était fini pour le Ghana. Oh, quel beau geste de ce garçon. Il a mis trois personnes. Un technicien
Alassana Poing. Oh là là, c'est vraiment des erreurs de jeunesse. Si la réalisation peut nous, en tout cas, montrer l'action, il y avait un No Man's Land de l'autre côté. Il n'y a qu'un seul joueur nigérien qui avait donné la balle. Qui attendait. Monsieur ce Ghanéen qui semble être nonchalant, qui semble faire un faux rythme. Bah, c'est un faux rythme, il faut le confirmer parce que voilà, là, c'était mal joué parce que de l'autre côté, il y avait un seul joueur, la trans, il n'était pas à leur jouer. Cela avait donné, ce serait oh là là, erreur de jeunesse de la part de Mohamed. Qui arrive à se procurer pas mal de ballons. Vous voyez ce genre d'opportunité, c'est ça. Malheureusement, et il faut beaucoup de compétition, il faut beaucoup de matchs amicaux pour corriger ces erreurs. Justement, hein, franchement, les garçons nigériens n'ont pas eu cette chance de jouer des matchs amicaux. On se rappelle de la compétition de l'autre côté du Burkina Faso, à Bobo, et voilà l'inspiration, elle est Ali, la passe à... C'est précipité cette passe de Ali, et voilà le attention, contre. Attention, ça peut être dangereux. Voilà. Heureusement qu'il y a Mossi. Mossi qui s'impose. Et la longue balle qui va essayer de trouver qui la défense ghanéenne. On écarte par l'entremise de Apia. Ça revient côté Ghana. Mohamed. Attention, il a du champ. Il peut aller encore. Mohamed, voilà. Faute. Qui obtient. Et ce que vous voulez, il a cherché cette faute. Et attention, premier carton jaune de la partie. Il avait du chemin et des joueurs gamins. Hein. Et je vois le carton dans la main de l'arbitre. Et certainement, ce n'est pas pour le remettre dans sa poche. Il attend d'abord que le joueur nigérien se relève. On joue la 32e minute de jeu. 0 pour le Niger, 0 pour le Ghana. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que c'est les éliminatoires de la zone IFOA B. B, donc de la CAN Tanzanie 2019. Le Niger dans la poule B, dans la poule A en compagnie du Togo. Et du Ghana, et dans notre poule, il y a le Burkina Faso, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et la mauvaise nouvelle, le Bénin qui a été disqualifié. Ah oui, le Bénin disqualifié. En regret pour ce pays. Hein. Et le secrétaire général de l'IFOAL, en conférence de presse, avait souligné. Kamala, je suis à Kamala qu'on oui. Salue au passage. Les raisons de la sanction du Bénin, c'est 10 joueurs qui ont dépassé la frontière de l'Inde. Donc malheureusement. Alors, on peut parler de tricherie alors. Ah oui. Et voilà, et là nous avons ces chances de continuer cette compétition. Le Niger qui est présent, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire certainement qui va en découvrir demain. Et demain à 16h30, ce serait Côte d'Ivoire, Nigeria. Le Nigeria, Côte d'Ivoire. Et là c'est un coup franc. Détiré, voilà, repoussé par Abbas. Et le dégagement nigérien. Oh, tous les joueurs nigériens étaient descendus pour défendre. Pour défendre, ce n'est pas une bonne chose. Au moins, un attaquant devrait rester en retrait. Il pouvait prendre la balle et attendre ses coéquipiers. Le dégagement de la défense. Voilà. Et ça, c'est ça... le maître à jouer de cette équipe ghanéenne. La longue balle sur qui sur Boateng. Attention, hors jeu. Qui est sifflé hors jeu, qui est en position d'hors jeu. Et du coup, ça serait très rapidement joué par Jibril Amossi qui demande. C'est compliqué de venir là, la longue balle. Il va certainement trouver. Mohamed, non, Mohamed est parti dans les airs. Sidibé, la passe. Ah, bien joué, mais qui n'arrive pas. Ouais. Bien sûr. What? Oui. C'est intelligent ce qu'il a fait ce garçon. Effectivement, ah, c'est voilà. Mis dans la course justement. De l'attaquant ghanéen. Pour lui couper l'élan, comme on dit. Et voilà, c'est le capitaine. Quoi intelligente. Alassane Ouzer. Qui s'est combiné avec
Nathan Lagueilly, rapidement joué avec. Perdu la balle. Oh, le mauvais contrôle. Jeune latéral, Ghanéen Mohamed. Abdoulaye. Super ce garçon qui est déposé du cuir. Voilà, c'est de recadrer les choses depuis la base arrière du côté du Ghana. Frépont. Oh, quelle belle lecture de ce garçon Maman. Isère qui essaie de mettre le ballon dans le paquet. Ah, le garçon qui franchement me réjouit. Mohamed. Belle passe. La belle passe ici de Mohamed. Voilà, il faut profiter. Et là c'est. Oh. Mal joué. Très mal joué. Ah, mal joué à Simia du côté. Pourtant, Mohamed a quand même fait l'essentiel. Voilà, la belle passe ici, il attend. Il n'avait pas de pression parce que là, c'est comme s'il s'est débarrassé du ballon. Il n'avait pas eu d'appel, il pouvait l'éliminer parce que c'est un monsieur qui, c'est un garçon, j'allais dire, qui est très bien vu, on l'a vu lors de sa, de son entrée, lors de la première rencontre du Niger. Mais là, il s'est vite débarrassé du ballon. Mais putain, c'est un garçon. Ils vont apprendre avec le temps, comme vous l'avez dit, Yassine. On va le balai donc à signer à Diapong. Et ça va repartir. Je pense que, en tout cas, quand on regarde les jeunes Nigériens jouer, on a l'impression que de se mordre les doigts, tant les opportunités se sont présentées et elles ont été mal exploitées. Malheureusement, c'est ça, quand on n'a pas en tout cas beaucoup de compétition. Et d'ailleurs, ces jeunes font de leur mieux, il faut le dire, parce que c'est comment cette équipe s'est préparée. C'est même un exploit de disposer d'une équipe nationale de cette catégorie en si peu de temps. Je suis danseur. Hein. On voit le travail abattu par l'instance dirigeante du football nigérian. À quelques semaines, rebâtir l'équipe. C'est vrai, c'est à féliciter. Et là, l'objectif, c'est de se qualifier. Et surtout, c'est le Niger qui est le pays hôte. Une victoire, comme on l'a dit, elle est impérative cet après-midi. Oui. Et du moment qu'on prend aussi les deux premiers de chaque poule pour les demi-finales, deux fois d'une victoire, un match nul est acceptable pour le Niger. Vous attendez, le public n'est pas content. Hein? Le public qui demande aux garçons d'aller. Ce qui fait l'affaire du Ghana jusque-là. Et l'un dans l'autre, avec ce que nous avons vu du Burkina et du Nigeria, je pense que ces deux équipes sont au-dessus du lot comparé aux équipes de la poule A. Et justement, je suis d'accord avec vous parce que les deux équipes. En attendant de voir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est inhabituée aussi de cette compétition. Mais on tire quand même le Ghana, bon, j'allais dire le Nigeria et le Burkina Faso. Ils ont égayé dans le football. Plaisant. D'école, plaisant. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. C'est vrai, on regarde le foot à la télé, c'est vrai, mais bon, en tout cas, au stade général, c'est un match d'une telle intensité, un match d'une telle qualité, ça fait quand même longtemps. Et c'est dire que. Bon, le bon appel voilà, ici. Et la frappe cette année. Et la parade là. Du quartier nigérien, parce qu'ils sont blessés. Heureusement pour le Niger. Troisième franche occasion de cette équipe ghanéenne Assimi. Eh bien, on va ralentir quand même Abbas se ressaisit. Parce que l'intention du joueur était bon. Frappe en première intention. Voilà, il allume. Et Abbas s'est jeté pour stopper la balle. Un ballon prolongé par Mossi qui subit une faute d'un joueur ghanéen. Et voilà, on le disait, hein, si c'est Ghanéen arrivait à se créer
ces genres d'occasions, ils ne vont pas badiner là-dessus. Et on a vu l'appel parfait dans l'intervalle, le ballon bien donné par son coéquipier et l'intelligent du jeu. La première idée qui lui vient à la tête, c'est de frapper, il l'a fait. Et n'eût été la promptitude et la présence de ce garçon qu'on aperçoit en gros écran, à Bassa, qui sauve le Niger sur cette troisième franche occasion du côté du Ghana. Voilà, et également apprécier le capitaine Djibril Moussi. Et ce relève, c'est un monstre, ce jeune homme, c'est un guerrier. C'est très important dans le dispositif de Frédéric Acosta. Bon, c'est pas bruyant, il n'y a pas dit que c'est la pierre angulaire. On va faire de belles faciles, la Niger, tout c'est une faute. Voilà, le voilà. Djibril Moussi. Il est 1m90 presque. Il ne peut dépasser. En tout cas, c'est un jeune qui est lancé. Je me suis arrêté à côté de lui. Moi, j'ai fait 1m86, mais ce petit me dépasse. Donc, c'est pour dire. Le dire, c'est qui est lancé. 1m86, je suis quand même une personne moyenne. Ok, d'accord, Léa. C'est le garçon qui nous égaye cet après-midi. On s'est dit Racine Poutier. Bonsoir à vous de l'autre côté de Difa, Maradi, Zender, Tawa, Agadez, Dosso et les villas environnantes de la région de Niamey. Merci à vous de choisir Télé-Sahel pour vivre ce moment footballistique. Voilà, et les seniors qui sont déplacés, hein, aujourd'hui même. En direction du Caire. Direction du Caire. Je suis avec les parents. On va être content pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Il y a une faute. Heureusement, il y a une faute. Il y a une main. Justement, je suis d'accord avec. C'est une main de maman. Eh oui, c'est comme ça. Eh oui. Malheureusement, c'est des erreurs de jeunesse. Maman devrait accompagner le ballon de la tête. Un corner, mais il s'est jeté alors que dans la surface de réparation on se jette pas. Oh, quelle erreur de jeunesse de la part de maman. J'avais vu, il pouvait prolonger un corner de la tête. Il a préféré, en fait, il a raté, je pense, hein. Mais c'est pas le bon geste, c'est à dire pour plus de sérénité, mettre le ballon en corner, va avec la tête. Voilà, techniquement parlant, mais là il concède un penalty à la 42e minute, on va voir l'espoir de la basse. Et le rat. Et le rat, voilà. C'est le numéro 8. Il rate ce penalty concédé par Hamissou Moussa, Maman Moustapha. Les deux du stade sont avec ce garçon. Et toujours 0 but partout. Apia qui s'en veut. Voilà la tête basse. Ça me rappelle Asamoah. En 2010. En 2010. Voilà, il faut dégager. Il faut dégager. Attention. Ah, c'est précipité. Et là, c'est très bon encore. Très bon. Voilà, moins de 2 minutes à jouer. 3-15. Voilà. Il est le 19. Dans cette première partie, touche. Il y en a là, monsieur l'arbitre. Ah, qui laisse passer. Et la formation à Bunaï, parfait. On essaie de jouer plus rapidement. Il va revenir sur la faute. Voilà. Et Kato. Voilà. 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 Il va le demander. Pour le numéro 7. Adiapong. Adiapong qui prend donc un corner, un 4e. La 44e minute de jeu. La récupération de Abdoulaye Tegan a été extraordinaire. Moussi, Moussi qui donne carrément la balle au gardien. Il faut chercher les côtés, pas dans l'axe, pas pour le point de penalty. C'est un cadeau pour le gardien, c'est un garde de balle. La longue balle.
Pascal, si on résume la première période, les Ghanéens ont eu les meilleures occasions. Et côté Nigérien, aucune occasion de but. Les jeunes se sont en tout cas perdus dans les actions de but, dans beaucoup de maladresse. Ils pouvaient mieux exploiter les opportunités en les convertissant en actions de but. Voilà. Le compte est en supériorité numérique. Soumana, qu'est-ce qu'il fait? Attention, voilà. C'est mal vu, ce garçon. Eh oui, c'est ça que je disais. Ils ont eu énormément d'occasions comme ça, des opportunités, et chaque fois, et des mauvais choix par-ci, des pertes de ballon par-là, et malheureusement, et aucune occasion de but côté Niger, aucune frappe. Voilà donc, malheureusement, et c'est tous les meilleures occasions étaient ghanéennes, et le Ghana même a eu un penalty. Voilà, il faut recadrer le tir à Pascal Gauthier en seconde période, parce que c'est le Ghana qui s'est créé les meilleures occasions. Et donc, si on ne fait pas attention, qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Là, on ne comprend pas. Il a été appelé par son premier assistant. Il a eu deux mandats. Au sélectionneur d'hier, rien. C'est Mika Costa. Il applaudit par le supporter nigérien. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais on le saura dans quelques instants. Voilà, le start-up. Technique. Certainement. 2 minutes d'arrêt de jeu à Simi. Hein. Nous sommes ici, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. On va se renseigner. La cause de l'expulsion de Frédéric Acosta. En tout cas, elle va certainement continuer à donner les consignes. pas de gestes. Attention! Oh, Jibril Moussi, pourquoi vous l'avez laissé prendre la balle? En tout cas, ce joueur ghanéen est très intelligent. Il s'est faufilé entre les défenseurs, les a empêchés de sauter et il a pu récupérer la balle. Heureusement pour l'équipe nigérienne, la balle... Sa tête, son coup de tête n'était pas cadré. Voilà. Voilà, c'était pas cadré, certainement. Ça serait le. La dernière balle. Voilà, Boulay qui récupère Massoudi. La longue balle là. On essaie de trouver Mamadou. Mamadou qui manque son contrôle. Là, le Ghana qui essaie de repartir avec vous. Oh, quel bel appel ici. Maman, certainement, voilà, il a fait le tacle. Et là, c'est une entrée de touche. Le Black Starlet qui accélère dans ce temps additionnel. Attention, attention. Heureusement, la couverture est attirée. Oh, le manque de contrôle. On perd pas. La frappe. Pas terminé, bien joué Mossi. Voilà, et se battre les Nigériens. Les garçons qui se battent. Mossi, voilà, bien joué. Par Mamadou. Et voilà. C'est le coup sifflé. Je crois de que... cette première partie à semi rapidement, vous avez revu le match. On peut revenir sur les actions franches. De part et d'autre. Hein. La meilleure occasion, c'est le penalty, car en deuxième minute, manqué par Appiah, et malheureusement pour le Ghana, et heureusement pour le Niger. 38e minute, il y a également cette frappe de Frimpong et les deux frappes de Adiapong qui ont ricoché sur la transversale. Donc, en résumé, le Ghana s'est procuré les meilleures occasions du match. Côté nigérien, on est trop brouillons, et les jeunes ont été trop brouillons dans la concrétisation des actions. Aucune action de but. Et je pense que Frédéric Acosta, qui a été expulsé tout de suite, et son adjoint Abdramane Issa Mega vont trouver la stratégie nécessaire pour permettre à cette équipe nigérienne de mieux jouer. Pour l'heure, c'est le Ghana qui a bien joué, c'est le Ghana qui s'est créé les meilleures occasions. Voilà, merci Asmi pour cette analyse, chers amis téléspectateurs. On se retrouve dans moins de 10 minutes pour la seconde partie de cette rencontre entre cette équipe du Niger. Et le Ghana, à tout à l'heure.
mwenye kusonje mugoya musubaya suna polo mwena tabawa ale ale mena tochika pankasane sikawasa ale ale mena hey jouez le ballon mouillez le maillot le peuple nigérien vous soutient vague que vaille défendre le drapeau orange blanc et vert tous une couleur mena nationale fierté nationale nos ondes nationales patriotes chantons mena allez dansons mena tous mes sons kassa Dou en kasa mi kishin kasa ya kamata ce mena akale muje oui 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 mena oui 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 mena oui oui jouer le ballon mena ya romena mouiller le maillot mena oui oui jouer le ballon mena oui oui wiki lazy mena sanke ke lazy Que lazy, mena zanke que lazy, jouer le ballon, mena oui oui, mena mouiller le maillot, mena oui oui, jouer le ballon, mena oui oui, mena mouiller le maillot, mena oui oui, que lazy, mena zanke que lazy, que lazy. Mina, mina nationale, mina nationale, si porte mina de
Oh, pray, man,
Et voilà, retour au stade général Sidi Kountié pour la deuxième partie de cette rencontre entrant dans le cadre, on le disait, en début de narration, dans le cadre du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, Tanzanie 2019. Voilà, entre le Niger et le Ghana, 0 but de part et d'autre lors de la première partie. Et voilà, cette seconde partie certainement qui va s'annoncer de plus belle, parce que là, tout va se jouer. Dans ces deuxièmes 45 minutes de cette rencontre, voilà, c'est parti pour le Ghana, par l'entremise. Et le ballon ricoché sur les pieds du capitaine de cette équipe du Niger, Jibril Amossi. Le ballon qui obtient une entrée de touche. Assimilé le Ghana qui avait dominé. Il faut le dire, hein, quasiment à cette première partie. Et oui. Fox. Je pense que cette équipe ghanéenne a pris la mesure, surtout lors de des 15 dernières minutes, de l'équipe du Niger qui semble être un peu émoussée. Mais là, on va repartir certainement sur des nouvelles bases côté Niger. Pas de changement en tout cas. C'est le numéro 9 ghanéen. Il n'était pas là en début de match. Attention, il est passé. Ah oui, il était là, d'accord. Alors, voilà, Pascal, les joueurs ghanéens, il faut les surveiller de près. Voilà, c'est les garçons qu'il faut suivre de près. Hein. On a vu l'expulsion du sélectionneur nigérien, Frédéric Acosta. Voilà, d'après les informations qui nous sont parvenues, Frédéric Acosta s'est mal comporté, certainement, et du coup ça lui a valu cette suspension. Et là, c'est son adjoint Adramani Sarr qui va essayer de prendre les commandes, et déjà on le voit, hein, et qui essaie de canaliser ses garçons. Abdoulaye qui essaie d'écarter sur le front gauche. Voilà, le ballon ricoché
espérant que Abdraman sera aussi calme. Hein. Justement, franchement, en le connaissant, on sait qu'il a le sang chaud également. Voilà, il crie sur ce garçon. Abdraman qui a également le sang chaud. Voilà, Mahamadou qui sait, Mohamed qui a voulu jouer avec. Il faut profiter. Boncano. Il essaie de mettre le ballon dans le paquet, mais là, c'est mal négocié, mais quand même le Niger obtient une entrée de touche qui sera effectuée par Abdoulaye. Oui, Assimi, allez-y, Assimi. Je disais, le football, c'est extraordinaire, ça permet surtout de former des hommes. Et voici d'abord cette action. Attention, il est à l'enjeu. Oh, la belle sortie du Portugais, la frappe de Boncano. Il était à l'enjeu. Et il était à l'enjeu, sifflé par le deuxième assistant de cette rencontre. Monsieur Abdelaziz. Oui, c'est Mahamadou Gado qui était en tout cas à l'enjeu, effectivement, avant même que la balle n'arrive. Je le disais, c'est Boncano, je l'ai connu en tout cas tout frêle à l'âge de moins de 13 ans avec Akia Academy. Il était tout frêle, il n'avait même pas de force pour frapper dans la balle. Et voilà aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le voilà qui défend les couleurs nationales, en tout cas avec le Mena I-17. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour dire que le petit gamin que j'ai connu est devenu un homme parce que là, il est sur les couleurs nationales, il se bat pour défendre le drapeau national. C'est vraiment extraordinaire. Et il est devenu plus solide parce que là, il tacle, il met des coups. Et justement, c'est mieux. C'est ça qui fait la force du football. Et c'est la beauté également du football, c'est-à-dire on apprend dans le quartier. Et le sport en général. Et voilà, dans les centres de formation et dans les différents clubs. Aujourd'hui, ces garçons se retrouvent sur les couleurs de leur pays respectif. C'est un honneur de défendre les couleurs nationales. Et voilà, ils se dépensent, ils se proposent. Et là, c'est un coup franc qui sera exécuté par Appia. Celui-là même qui a raté le pénalty hein, à la 42e minute pour le Ghana. C'est lui qui va s'expliquer sur cette action. Voilà, il demande à ses coéquipiers. Attention Abbas, est-ce que c'est la bonne position? On va voir. On s'est bien tiré quand même hein. Voilà, et la sortie très bien Abbas. De Abbas. Non mais qui essaie de contrôler mais qui perd le contrôle. Un très beau jeu. Voilà, du nouveau 13 nigérien, Mahamadou. Voilà, Boncano qui joue rapidement avec Mohamed. Il va chercher la surface. Il va aller chercher la surface. Qu'est-ce qu'il va faire le gardien? Il est libre son vis-à-vis. La passe. La parade. Quel arrêt du gardien ghanéen. Excellent ce garçon. Ah oui, belle action. Première occasion franche côté nigérien. 50e minute de jeu. Par l'entremise de... Et Mohamed qui a le Mais il faut saluer au passage la belle montée d'abord de Boncano qui avait joué avec eux. Bien attention. Qui avait joué avec Mohamed qui a servi son coéquipier et il a dû frapper. Il a été le côté escopage. Aussi qui s'est libéré le pied gauche. Le pied fou, comme on l'a dit. Il n'a pas eu cette possibilité d'ajuster son centre. Et là, on aperçoit, j'allais dire, le joueur ghanéen qui se tord de douleur. Voilà. Il a été percuté par Mossi. Le colosse Mossi. Voilà, on revoit la pénétration ici de l'attaquant nigérien, Mohamed. Qui élimine hein, son vis-à-vis. Hein. Ouais, il avait deux choix. Il avait deux choix parce qu'il y avait deux joueurs qui étaient là. Non, c'était, je crois, la meilleure option. Je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec vous également, que c'était la meilleure option. Mais sinon, le football, c'est des possibilités. Il a choisi hein, cette possibilité de frapper. Et du coup, la promptitude du gardien était au rendez-vous. Il a fait sortir ce ballon. Et voilà, la première franche occasion, bien exécutée par cette équipe canette du Niger, qui était à la 50e minute de jeu. Ah oui, Pascal Gauthier. Et vous avez si bien dit, ce gardien ghanéen, en tout cas, a fait la exposition de ses réflexes. Parce que avec cette parade, il a sauvé les siens. Je veux qu'il dégage de la tête. Et là, il fallait chercher ce ballon bien placé devant. Ton garçon Boncano qui élimine. Vis-à-vis, la passe de trop, c'était mal donné, c'était pas ça la solution parce qu'il avait déjà son
coéquipier Sidibé qui était à côté. Oui, oui. Il aurait dû combiner avec lui et lui remonter tout doucement le terrain, mais il a préféré jouer. Le ballon, non. Et là, qui sera à 6 mètres. Et le Ghana qui va essayer de repartir. Par le jeu proposé par les Ghanais dans les bases aériennes et arrière, c'est ça qui est bien intéressant. Oui, c'est ce qu'on dit, hein, on l'a toujours dit. Ça permet à la défense, au milieu du terrain, de proposer des solutions. Ça permet à l'attaque de proposer aussi également des solutions. Mais quand on fait, bon, c'est vrai, c'est une tactique purement nigérienne. La plupart des entraîneurs du Niger utilisent cette tactique. Soumaïli Kemogo nous l'avait expliqué. Et on ne peut pas souvent jouer égal avec certaines équipes qui sont mieux préparées. Oh, le contrôle ici. Voilà, attention. On en est bien. On est avec Nigeria. Non, hors jeu. Quel arrêt de... Mais... Le Kourou. Hors jeu de qui? C'est ça qu'il faut se demander. Alain Basse, on espérait de revoir l'action. Et c'est certainement la réalisation. En tout cas, on n'a pas vu d'hors jeu. Hors jeu de qui? Voilà, et Bocano, il a exprimé le ballon ici. En tout cas, on va voir qui a été signalé en jeu. L'un dans l'autre, et Mohamed a encore une fois raté une occasion de but. La deuxième France occasion, du Niger. Oh, le bougie est de la poitrine. La pointe, le Niger, qui va essayer de. Le tout pour le tout. Voilà, le bon appel là, derrière, et le joli centre. Ah bah c'est... Qui n'inquiète pas, bah ça. Voilà, qui joue rapidement avec bon canon. Le juste à numéro 10. Côté du Niger. Le petit crochet. Et la faute. Poussée. Par Salim. Le Niger conteste de plus en plus les décisions. De la vie, effectivement, je vais poser des questions parce que tout à l'heure, sur l'occasion, peut-être que la réalisation va revenir. Oh, ça me fera plaisir hein, quand même si la réalisation nous fait revoir cette action de but. Sifflé. Là, la longue balle ici, non, là, ça c'est la faute concédée par Salim le Ghanais. Je sers du lourd, dit ça. Là, je vais lui aussi, qui va exécuter ce truc, hein. Bien tiré. C'est le bon appel et la belle couverture. Hein. Moi aussi. Moi aussi, j'ai pris la pierre sûre. Hein. Pas arrière, de façon prompte et propre. Elle fera tout rapidement jouer. Mais aussi, il faut le rappeler, c'est également l'un des éléments défensifs du dispositif de Soumaïli Kemogo. C'est pour là. Tenu en échec le Ghana à la CAN 0-0 et le Niger a été éliminé au tir au but en demi-finale. Un match où le Niger pouvait gagner aussi avec cette frappe de Sofiane Habibou. Oh, en toute fin de match, une frappe sur la barre transversale. Voilà, il faut profiter. Mohamed, il y a cette possibilité de toucher pas mal de balles. Mohamed, bien joué pour Soudama. Voilà, le 1-2. Non, il était attentif, Soumana. Il lutte quand même. Hors jeu. Si. Retour dans le jeu de Soumana. Mohamed. Là, quand même, il n'avait pas tort. Mais là, je suis pas d'accord avec vous. Là, il faut que je revoie l'action. Il y a un retour dans le jeu. Là, c'est comme si j'ai vu hein, le capitaine Ghanais qui était. Sur la même ligne, hein, couverture avec Mohamed. Bon, écoute, hein, ils sont les maîtres de ce jeu, de cette rencontre. Hein. Voilà, Jérémy qui se dégage là. Très loin. En fait, la différence avec l'équipe de Soumaïli Kemogo, c'est que cette équipe de Soumaïli avait des attaquants très rapides, mort au Boubacar. La belle récupération du Kodi, on va suivre savoir cette action nigérienne. La belle passe ici. Rodosé, il va s'essouffler ce garçon et voilà.
dans la finition, l'univers pêche dans la finition. Il ne faut pas qu'ils se déversent dans l'envie de vite faire. Il faut qu'ils attendent les Ghanais aussi. Parce que les Ghanais, vous voyez, ne sont pas pressés. Ça va être également la même physionomie du match. Les Nigériens se sont trop vite dépensés dans les 30 premières minutes. Ils ont fini la première période pratiquement cuit. Et là, ils se relancent dans les assauts, parfois inutiles même. Donc, ouais. Et les Ghanais sont patients, ils attendent. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif ghanais, ils occupent de façon rationnelle le terrain, vous voyez. Hein. Ils sont partout, ils sont partout. Hein. Et là, voici un peu ce qu'on peut dire sur cette équipe ghanéenne. Hein. Il y a cette facilité de se mettre entre les intervalles et puis demander les ballons. Voilà, et c'est ce que je disais à l'instant. Là, l'arbitre revient. Il faut dire que la plupart de ces joueurs ghanéens sont dans des centres de formation. Beaucoup de centres de formation également. Il y a plus de catégories de clubs attachés à des quartiers. Ainsi que souvent, on appelle ça les dirigeants des clubs laissent la fédération de la base pour les entraîneurs des gens qui se débrouillent. Donc du coup, il n'y a pas une réelle formation. Voilà, cette formation digne, hein, c'est ça, voilà. Hein, digne de ce nom. Voilà. Comme vous remarquez, l'équipe du Burkina Faso, qui la plupart également sont dans des centres de formation, vous avez vu l'occupation rationnelle du terrain, vous avez vu la combativité, parce que Frédéric l'a dit, il faut former les joueurs de compétition et non seulement des joueurs de match. Eh oui, je pense que le sélection nigérien a été clair là-dessus. Ça dit qu'il faut former l'équipe. Compétitif. Voilà, et la bourde, heureusement. Oh là là, il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi, hein. Il pourrait avoir vraiment un cadeau. Ali qui n'a pas suivi cette action, cette bourde, j'allais dire. Ah oui. Posée par le portier ghanais. Le Ghana qui va se dégager. Très rapidement, on revoit le ballon. Appia. Cano qui se défend. Il n'y a rien ici d'arbitre. C'est bon, là je vois chez les Nigériens. Oh, quel beau geste ça, ce garçon qui perd le ballon, qui le récupère. Frépong. Il essaie de jouer avec Boatenga sur son côté. Attention. Et la frappe. Non. Heureusement. Monsieur les Ghanéens, comment ça glisse l'accélérateur. On a l'impression hein, qu'on se renvoie dans la même physionomie hein, de la première période. Hein. Voilà, intelligent de la part de ce joueur. Il préfère ne pas prendre de risques. C'était le même comportement que devrait prendre maman lorsqu'il a concédé le penalty. Bon Cano. Mauvais contrôle de la main. Heureusement, il le récupère. Il cherche la solution. Bon Cano, le centre, bien fait. Oh, c'était bien fort dans l'idée. Et ça va repartir côté gagnant. Ils appuient ils comptent sur la rapidité donc, du 19 Boateng. Boateng qui est en train de. Voilà. Qui est en train de causer vraiment des misères à Maman. Et je crois que pour son premier match, Maman envoie de toutes les couleurs. Et justement, il envoie de toutes les couleurs, mais Boateng là... est plus rapide, Boateng est plus grand et plus. Justement, vu ça. Sa physionomie hein, et son gabarit. Hein. Et je vous dis que. C'est normal que le petit ait des crèmes. Justement, et il est à sa toute première compétition. Ah oui. Moi je me dis que franchement, félicitations, chapeau à ce garçon qui retrouve cette compétition aujourd'hui et qui arrive quand même à respecter ce qu'on lui demande. Parce que là, je me dis, hein, il se propose, il est dans l'entrejeu, et sur le plan défensif aussi, il reprend. Mais il se trouve que maintenant, il se tord de douleur. Et on espère que c'est le bon augure qui va revenir. En tout cas, c'est son premier match, c'est très difficile. Un match international. L'un dans l'autre, c'est lié au manque de compétition. Il faut dire que ces jeunes se sont préparés sur le plan local.
n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Ceux qui avaient, il y a certains parmi eux qui avaient effectué le déplacement sur Bobo, qui disputait les deux matchs internationaux face au Mali et Burkina Faso. Il faut dire qu'il faut féliciter ces sélectionneurs qui arrivent en un temps record à composer des équipes. Comme le dit le président de la Fenifoot, le colonel major de Lima, on ne bosse pas dans la même catégorie, mais quand même, avec les maigres moyens, on arrive à faire quelques résultats. Alors, les moyens, on arrive à faire quelques résultats. Le ballon mal donné ici. Le leader qui va essayer de se dégager. Voilà, il faut. Il faut pas qu'il aille se fermer. Suntalma. Oh, Attention à ce contre. Heureusement qu'il y a bon canon. Intelligent ce garçon, bon canon. Très technique également. Faute. La petite poussette. Ça mérite un carton, ça, parce que là, on a vu la poussette du dossard numéro 10. Ghanéen. Salut. Bon canon qui fait cet après-midi un grand match. Eh oui. Et la formation de Simone Kemogo de Côte d'Ivoire à Acha Academy. C'est des joueurs très techniques. On se rappelle aussi dans cette formation. Voilà Soumana, la frappe. Voilà, c'est pas terminé. Mohamed. Dépossédé du cuir. Mohamed, j'ai comme l'impression que ça lui manque quelque chose. Je sais pas, dites-moi, c'est quoi la chose qui lui manque à Simi? Imagine, c'est ce que je disais, ce sont des jeunes, il manque beaucoup de choses. Tout comme à Mohamed, tout le reste, et même l'équipe ghanéenne, c'est des jeunes, il faut le dire, ils n'ont pas l'expérience. Et souvent, c'est pour cela, c'est plaisant et de voir le football des jeunes. Parfois, il faut ceux qui font les grands. Je ne sais pas, pour marquer un but, il faut de l'expérience. Je ne sais pas, hein, c'est une question de foot. Effectivement. Parce que là, les occasions pour Mohamed, c'est procuré. Moi, je pense que même si on n'est pas expérimenté, il suffit de mettre le ballon dans au fond, défiler. Je ne sais pas quoi. Pour marquer un but, il faut beaucoup d'expérience. Donc, je souhaitais que vous me dites que pour être en situation de but, il faut avoir de l'expérience. Non, même pour marquer. Elle peut même la... Voilà Mohamed qu'on revoit ici sur cette action. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà la mauvaise passe. Ça aussi, il faut de l'expérience là. C'est lié au manque de compétition, mais aussi c'est lié au manque d'expérience. Plus tu as beaucoup de compétition, plus tu gagnes de l'expérience. Et facilement, vous voyez, même les grands attaquants, les Cristiano Ronaldo, les Messi, souvent ils arrivent à rater, souvent les manquables. Donc pour manquer un but, c'est vrai, il y a la vista de l'attaquant, mais il faut beaucoup pour les jeunes là, il faut beaucoup d'expérience. Parce que souvent ils font des mauvais choix. Je vais essayer de vous croire, croire à ce que vous dites. Voilà. Ce sont des garçons, ce sont des jeunes, ils ont encore de la bulle devant eux. Voilà. Ils sont au stade d'apprentissage et là l'entrée de touche est effectuée par Boncano. Le contrôle, le dupe réussi de. Non, ça passe pas. Dégagement gagné. Un canon. Oh là là. Incompréhension. Entre Mahamadou et Boncano. La Libéria, j'allais dire, Hassan Kone qui est sifflé. Mohamed Massoudia, il y a son dieu dans les airs. Mohamed qui se bat. Voilà, Boulay qui est battu dans les airs. Donc on a la récupération. Un changement qui se dessine. Côté des Black Starlet du Ghana. Le dessert numéro 15.
Abdullah Rachid Fousseni qui va effectuer son entrée dans quelques instants sur cette pelouse. Il sent frais, comme on le dit. Cette équipe ghanéenne qui jusque-là n'a pas trouvé les chemins du filet. Pareil également du côté du Niger. Voilà, on aperçoit les supporters nigériens qui donnent du temps. Qui essaient de pousser les garçons à une victoire. Voilà, ça c'était la bourre du gardien et le portier. Il n'y a pas de renard de surface. Se rachète rapidement. Pour revenir, pour compléter ta question, Pascal, c'est là qu'on parle de renards de surface qui sont toujours dans les surfaces de réparation et qui arrivent à marquer, à profiter de ces genres d'erreurs que vient de commettre le gardien ghanéen David Koudjo. Parce qu'ils suivent les frappes des coéquipiers. Et quand le gardien détourne, ils sont toujours à l'affût pour repousser la balle au fond des filets. Il faut beaucoup d'expérience. Et je suis sûr, si c'était une équipe, un joueur expérimenté, il allait mettre ce ballon dans les filets. Voilà, Akia qui sort. Il cède sa place à Abdullah Rachid. Voilà, le Niger qui bénéficie de cette force de contrôle. Ici, le Soumana, il obtient également. Et voilà le petit Bonkano, qui est devenu un grand Bonkano. Hein? Voilà le gars qui va essayer de repartir. L'appel de Chaibou. Trop d'espace, hein? Trop d'espace. Voilà, Boulay. Il ratifie bien. Il joue très bien son rôle de milieu récupérateur. Et de ça, numéro 20. Voilà. Belle couverture. Ce garçon. Abdoulaye. Toujours 0 but de part et d'autre entre Niger et le Ghana. La 110e minute de jeu. Dans cette seconde partie de cette deuxième journée du tournoi de l'UFOA de la zone B. Monsieur, il n'est pas l'enjeu. Et la frappe qui passe pas très loin. Comme tu veux. Oh, c'est bien dans l'idée parce que là on avait eu le contrôle parfait. Et puis pivote bien, il prend ce ballon. On voit l'action. Il met le ballon dans le sens du but. Et là dans l'application, il n'a pas réussi. Et voilà le petit Mohamed Sherif qui est ovationné. On a quand le Iniesta. Public nigérien. Iniesta nigérien. Le jeune pupitre du football du Niger. Qui fera dans quelques instants son entrée. Voilà Bonkano pour la remise en touche. Bonkano. Qui n'avait pas compris l'appel. Et il veut le ballon quand même. Voilà. Qui bénéficie d'une entrée de touche. Ah, et corner. Normalement, c'est un corner. Normalement, ça doit être un corner, mais okay, l'arbitre libérien en décide autrement. Là. Un jeu de la part de votre tête. Oh là là, Sultanma. Sultanma qui a eu du mal à piquer.
a bien placé son ballon. Ballon qui passe au-dessus de la barre transversale du portier ghanéen David Koudou. Et les Ghanéens vont repartir avec le capitaine. Passe son premier vis-à-vis. Il y a trop de risques sur le capitaine Ghanéen. Cano, la tête pour Suntalma. L'idée. Bien joué. Voilà, on est d'activer son vis-à-vis. Voilà, encore un mauvais choix. C'est précipité. Vous avez bien vu Assimi, il s'est précipité de sa place. Et la belle couverture ici de Massoudi, qui fait également un match propre. Voilà Ali qui vient. Voilà, on les a quoi les garçons. Il y a un joueur nigérien, c'est le numéro 13. C'est tant de douleur de notre côté, Mamadou. Et on va assister à la rentrée en jeu de Mohamedou Oumar Chérif. Iniesta, très petit, un gaucher qui joue toujours en première intention. Il remplace Faisal Soumana Thiembou, qui n'a pas été dans son assiette aujourd'hui, Thiembou. Le joueur de Wafa, et c'est Iniesta qui joue. Il demande de déposer la balle à terre. Peut-être qu'il sera l'arme fatale de Frédéric Acosta. Voilà. Les Ghanais également s'apprêtent à faire rentrer un joueur. Il s'agit de Joseph Ado Tété, qui est en train de s'échauffer au niveau. Voilà. C'est relevé Mamadou en espérant qu'il peut continuer parce que il propose des solutions en attaque. C'est un garçon qui est solide, Mamadou. On l'a vu dans le gros match à Niger. Face aux épargnés, Robo, là c'est l'action. Reprise par Mohamed et la frappe là, ici détournée. C'est Joseph qui va faire son entrée en jeu. Portier ghanéen. Voilà Joseph. Un autre joueur ghanéen qui est blessé. Les ghanéens hein, qui sont sortis sur blessure. Là Joseph qui a effectué son entrée. Voilà. On a touché le même shérif. Il ne réussit pas. Là, c'est Bateng. Le centre. Et la boulage. La longue balle. C'est pas ça la solution, les garçons. Il occupe le ballon. Super. C'est bien dans l'idée. Sidibé. Jibril. Ce n'est pas le... Il est à l'enjeu. Il est à l'enjeu là, déjà. Il est à l'enjeu. Il est à l'enjeu. Nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure de ce match. 0 pour le Niger, 0 pour le Ghana. En ce temps, changement. C'est Mahamadou Abdoulaye Mazou. Il fait son entrée. À la place d'un autre Mahamadou. Le numéro 13. À la place de Mahamadou. Un Mahamadou. Qui remplace un Mahamadou? Qu'est-ce qu'il a fait là, monsieur l'arbitre? J'ai pas vu le faute là. Je sais pas si vous tombez avec moi, si sur cette action. En tout cas, c'est assez demandé. Peut-être. En tout cas, c'est contestable. Ah bon. Il va donner un carton, c'est ça? Pourquoi il va donner un carton? Je ne vois pas faute, c'est pas méchant. Non, c'est pas un carton. Bah, c'est la bombe pour indiquer l'endroit.
Voilà, pour les gagner. Hein. Qui va exécuter à Diapong. Diapong s'élance et Abbas normalement qui est là. Voilà. Abbas qui rassure ses coéquipiers. Très bon match de Abbas. Par contre, il perd la balle facilement. Des deux côtés derrière. Voilà, il n'est pas allongé. Voilà. Voilà, le bon appel ici de Sheriff derrière. Hein. Sheriff, ah, il va essayer de le titiller. Ah non, il ne réussit pas. On le titiller, Sheriff. C'est qui obtient quand même un corner. Sheriff devrait jouer en première intention. Là, le Niger bénéficie d'un corner. Il laisse au soin. Numéro 19, Mamadou. Mamadou. C'est un talma du Moïse. Voilà. Et le but nigérien. Oh là là, Mamadou. Tout était parfait. Le contrôle de la partie du nouvel entrant Mamadou. Abdoulaye Mazou. Qui avait reçu son contrôle. On voit l'action ici. Le contrôle parfait ici. Mais qui prend le ballon. De façon pas juste parce que là, le ballon s'envole. Et le Niger qui manque encore et encore une autre occasion. Deux buts. Si Mahmoud avait frappé de l'extérieur en force en bas, certainement que le ballon allait rentrer au fond. Mais quand même ça pousse côté. Oh il réussit quand même l'appel, la belle passe ici. Mohamed. Voilà Bocano. Très en vue ce garçon cet après-midi. Sheriff qui aurait ses appuis, la belle passe ici. Ah là ça joue du côté d'India maintenant. Bocano. C'est un match qui va essayer de rentrer. Non le crochet réussit. Bocano. Le deuxième crochet. Et le centre ici. Et la tête là. Et la belle sortie du portier. Ghanéen. David Koudou qui rassure. Les siens. Et là il joue rapidement avec Boatenga qui perd le ballon, qui arrive pas. Le Niger qui va essayer de pousser, il fait ça. Et là qui obtient une faute. Et carton qui va procéder. L'attaquant ghanéen, Boatenga. Et c'est même Iniesta qui met l'ambiance. Hein. Et du coup, ça a réagadi. On va revoir son petit geste. Oui. Technique. Il a cherché le petit pont. Et voilà. Je vois, ramassez pas. Mais regardez-le, le geste de Abdraman. Bon canon. Et le public qui commence à pousser. Voilà, c'est parti. Il lâche le ballon. C'est pour le gardien. Le gardien qui rassure. Qui joue rapidement. Un écart sur. Et chaque touche de balle de Sheriff est applaudie. Je pensais qu'il n'allait pas souffler là, parce que là, c'était visible la faute. La faute de main. Rapidement, le Niger qui joue à l'entreprise de Mohamed. Une compréhension entre Mohamed et de Mohamed. Le Ghana qui va essayer de. D'amorcer ce contre. J'ai pris là. J'ai pris là, même pas touché. C'est parce qu'il a tout pris, hein, ce monsieur là. Et c'est lui-même qui a là. Ça, c'est une décision contestable. Monsieur Gibril, de ne pas prendre un carton parce que, quoi qu'on dise, c'est un résultat nul. Là. Arrange le Niger. Il ne faut pas concéder deux buts. Et tout va se jouer entre le Togo. Le Ghana, pour que l'équipe nigérienne arrive à conserver quand même le score intact à défaut de marquer. Voilà, moins de 9 minutes de jeu dans cette seconde période. Là, c'est un coup franc ghanéen qui est trop dosé. Et
Et si le Niger arrive à marquer, tant mieux, parce que ça fera 4 points. Et sûrement, ils ont la possibilité, ils ont les capacités, ils ont cette valeur. Et donc, du coup, la qualification. Elle est garantie, comme on le dit. Et là, avec ce que nous voyons en seconde période, c'est mieux que la première, puisque ce sont les Nigériens qui se sont procurés les meilleures occasions de la seconde période. Justement, certainement, les consignes ont été données par le staff technique de cette équipe. Là, on revient sur la faute. C'est le seul Ghanéen qui se plaint. Joseph. Je crois que si on doit choisir le meilleur joueur du match, pour moi c'est Bonkane. Bon, on laisse le soin à la commission technique de l'UVOA. Nous, on a notre mot à dire quand même. Justement, je suis d'accord avec vous. Mohamed qui se bat. Le dégagement manqué. C'est le joueur le plus en vue de ce match. C'est un défenseur quand même. Mais quand même, super ce garçon, ce qu'il fait. Oh, la passe, la dernière, comme on le dit. Et si on se contre Ghanéen, c'est du 4 contre 3. Et la belle couverture ici du portier nigérien Abbas. Vraiment du côté du Ghana. On va assister à la rentrée au jeu de Koffi. Rashford Koffi. Et remplace Adjapong. Voilà, on va dire qui pousse. Voilà, Koffi, c'est sa première touche qu'il a fait, le ballon. Simplement. Pour Mamadou. Mamadou pour Mohamed. Mohamed, qu'est-ce qu'il a fait? Au-dessus. La solution, Mohamed, c'est pas la solution. Il joue contre tes coéquipiers, ils sont là, ils ont demandé. Il s'en veut ce garçon, il s'en veut. C'est comme son entraîneur d'ailleurs. Ah oui, les erreurs de jeunesse, comme on le dit. Mais on fait avec. Le Niger qui a proposé une belle figure quand même que lors de sa première. Alors, il récupère le ballon, le Nigérien. Voilà, il est seul. Il faut profiter. Voilà, il est tellement peut éliminer des aides. Bien joué Suntalma. Il y a la couverture de Adjei, Oumar, non Nathaniel Dimos. Et c'est le Niger qui pousse. Et justement, c'est le Niger qui pousse. Ils ont besoin. Ça reste 5 minutes de jeu. Ils ont besoin de ces 3 points, de cette victoire. Et le centre ici, il n'y a pas d'hors-jeu. Bon, il est seul, mais qu'est-ce qu'il a fait? Hors-jeu de toute façon. Il est sifflé quand même hors-jeu, comme l'a dit Asmi. Et là, ça va repartir pour cette équipe ghanéenne. Apparemment, les Ghanéens n'ont plus de solution. Ah, le Niger quand même qui s'est bien comporté dans cette seconde manche. Effectivement. Attention, oh, la passe. Passé dévissé. Bien joué. On évite les tacles dans la surface de réparation, Bonkano. Eh oui. Corner. Là, ils obtiennent un corner de la droite vers la gauche de notre écran. Moins de 4 minutes à jouer. Dans le temps réglementaire de cette rencontre. C'est le moment de mettre un joueur offensif, s'il y en a. Parce que là, on voit un changement. Voilà. Proposé par le Niger. Attention, il y a un joueur, moi aussi. Arrête le danger. Passe mal donné ici. Et qui est sorti. Et Niger qui va rapidement jouer certainement. Et c'est bien sûr le numéro 17, Antaru Bala Maman, qui était titulaire lors du premier match. Voilà l'appel ici parfait de Sidibé. Qui obtient. Abba, comment on l'appelle? Abba. Un corner. Non, une grande touche. Et au Niger, quand on t'appelle Abba ou bien Papa, c'est que tu portes le nom du Papa.
Alors, ça, c'est une manière de respecter. Eh oui. Cela, voilà, il est ovationné quand même, Mohamed. Ça doit cède sa place. Et encouragé par ses coéquipiers. Antaru, Mohamed qui va céder sa place à Antaru. Mohamed qui a tout donné. Félicitations. C'est ça, mouiller le maillot comme on aimerait le dire. Il a proposé ici. C'est Mossi. Mossi, il est un peu il est plus expérimenté, il tente des choses, il est sûr de sa force. Et c'est ça, être un vrai leader. Justement, c'est un jeune garçon qui est en forme, qui est en nerfs aussi. Il a eu beaucoup plus de compétition que ses coéquipiers. Attention, heureusement pour le Ghana, mais ce n'est pas terminé. Maman, à la Suntalma. C'est bon, ce garçon, voilà. Suntalma. Il bien joué, le centre. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est Ali. Il pouvait le contrôler le ballon. Il y a eu une mauvaise appréciation, une mauvaise sortie du gardien Koudjo. Apparemment, les Ghanais cherchent le match nul. Hein. C'est ce qui se décide quand même hein. Dans leur jeu. Non, monsieur l'arbitre. Non, je pense pas qu'il y a une faute là. Mais en fait, si on me demande de noter ce monsieur, quelle est la note que vous allez lui proposer, l'arbitre libérien? Parce que là, franchement, je ne suis pas satisfait de cette prise de décision. Et des fois... Il y a eu quand même un pied qui a gêné. Il y en a un qui temporise. Attention à ce faux rythme. Alors, Mohamed, c'est le jeu avec... Bon canon, il ne prend pas de risque. Il se dégage. Le Ghana qui se dégage là. Également. Voilà, Adraman là, qui demande à ses garçons. Faut accélérer, ça reste accélérer. Une minute dans le temps réglementaire. Bon canon. Les jeux combinés. Super ici. On essaie de repartir par la base arrière. J'ai pris là. Gibrilla, ça voilà. ne marche pas. Ça peut aller parce que là, heureusement qu'il a très bien lu et très bien vu la trajectoire de la balle là, ce défenseur ghanéen, Mohamed. Et là, vous attendez le public à qui pousse. Les cadets, voilà Bio, allez le but. Et ça. Et là, le son sera laissé à Sidibé pour ce corner. Les grains sont montés, mal tirés. Attention, ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller vite. Là, le traditionnel. Attention, ça peut aller vite. Heureusement, maman est là. Bien joué, maman. Là, le crochet, là, c'est bien parfait. Bien joué. Oh, manque d'expérience. Attention, faut retourner. Ah, le contrôle de trop, ça sent la fatigue maintenant. C'est Ghanaien. 3 minutes de traditionnel à Simi. 3 minutes pour emporter. 3 minutes pour avoir les deux points. Et le Ghana, est-ce qu'on peut le dire, c'est une belle opération pour cette équipe ghanéenne qui joue son premier match dans ce tournoi. En tout cas, quand on ne perd pas un match, c'est toujours une bonne opération. Mais l'un dans l'autre, il faut dire que ce n'est pas l'équipe ghanéenne attendue. Parce que l'équipe de 2017 a quelque chose Ali, de plus consistant. Certains ballons viriraient maintenant sur cette action. La face à pour qu'il puisse libérer. Il va sans doute éliminer son vis-à-vis. Non, qui se rabat sur le dessin numéro 17 nigérien. On va le contrer. Bon canon. Et voilà, c'est Sidi Bassan voilà. Qui est élu meilleur joueur de cette rencontre. La Mohamed Chérif, contrôle parfait. Très beau geste technique pour ce garçon. Sidi B. Le centre ici. Oh, il n'y a personne. Attention, retournez. Attention à ce contre ghanéen. Attention, c'est du 4-5 contre 4. Attention. On va bien les jouer là, ici. Attention.
Heureusement, il y a la tour de contrôle Mossi. Voilà, Abdoulaye. Un jeu Mossi. Tu vas essayer de repartir. On va l'appel de Ali ici. Voilà, qui va jouer. Qu'est-ce la solution, Sidibé? C'était pas la Sidibé la solution. Mais qui arrive quand même à contrôler le ballon de ce garçon? Sidibé. Voilà, il s'appuie sur. Cherchez la surface, il est là. Antarou. Oh, c'est mal joué. Mal joué, Antarou. Mal joué, Antarou. À sortir, attention. Il va pas se laisser faire, ça c'est sûr. Voilà, il gagne son duel et le dégagement. Il faut faire sortir la balle de là. Le ballon qui a suivi gagner. Heureusement, le retour de Mamadou. De Mamadou. Voilà, les Nigériens. Eh oui, ça sent la fatigue. Deux joueurs. Justement, deux Nigériens qui. Ah oui, le numéro 20, je peux comprendre. Et Chérif. Abdoulaye est Fegan parce qu'elle a tout donné. Mais Chérif qui vient de rentrer. Voilà, ils reçoivent les soins du staff médical là. Voilà, les signes de se lever, Chérif, oui, lève-toi. Alors, Pascal Gauthier, et je le disais là, c'est une bonne opération à défaut de gagner, il ne faut pas perdre. Parce qu'on prend les deux premiers de chaque poule pour jouer la demi-finale, puis la finale. Alors, le Niger avec ce match nul, si ça se termine ainsi, et donc, va certainement se qualifier parce que ça va chauffer, tout va se jouer entre le Togo et le Ghana. Pour chercher la première place. Et justement, tu vas se jouer entre ces deux pays, le Togo et le Ghana, deux voisins. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Deux points pour cette équipe du Niger. Le Togo qui a un point et le Ghana qui se retrouve également à un point. Le Ghana qui va jouer son deuxième match dans cette poule A face au Togo. Et là, demain, le Nigeria. Qui jouera face à la Côte d'Ivoire pour sa première sortie dans cette compétition. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue des 90 minutes de cette belle partie qui s'est jouée à la deuxième période, Asmi? Ouais, on peut résumer à une première période dominée par le Ghana qui s'est procuré les meilleures occasions du match, dont un penalty manqué. Et donc la deuxième période est dominée par l'équipe du Niger. Malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresse des jeunes nigériens. Et ils pouvaient gagner ce match, mais on l'a dit aussi, c'est les erreurs de jeunesse, c'est le manque de compétition. Mais l'un dans l'autre, un match nul, je pense que ça arrange le Niger. Et le Niger est dans de bonnes dispositions pour se qualifier pour les demi-finales. Mais il faut attendre quand même la fin donc, des matchs. C'est le penalty marqué par le Ghana. On va voir les actions. Le prix va être. Là, c'était la mauvaise. Appréciation du portier. Jamais. Là c'est Mohamed. Il est mine. Vous aviez, tu vois, ça fera pas. Voilà le bergeur de la rencontre du match. Comme on l'appelle. Man of the match. Hey, man of the match, voilà. Sidibé, tu vas recevoir, j'allais dire, des mains du président de la Fédération Nigérienne de football. Certainement, des conseils, courage à toi, garçon. Tu as de l'avenir. Sidibé Sintalma, qui est sociétaire de l'étoile sportive de Sousse dans la réserve pro, je rappelle. Voilà, félicitations. C'est aussi la première fois qu'un joueur nigérien reçoit ce trophée au cours de ce tournoi. Bravo. Et voilà, il soulève son trophée. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Voilà, Asmi, chers amis téléspectateurs. Merci d'avoir resté à notre compagnie. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces 90 minutes. On se retrouve demain pour le match. Le match entre le Nigeria et le Nigeria. Voilà, au revoir à vous. Bye bye.